Ça, j'ai odeté jamais ça sur YouTube. Mais qui m'a odeté, tu mal. Putain. Justement, il y a même combien de vidéos sur YouTube là? Odeté la pété dans le univers. J'adore bébé. Odeté tout partout. Odeté la pété dans l'univers. J'adore bébé. C'est une vidéo de ODT. C'est une vidéo de ODT. Bon, j'ai mangé, là j'attends le gâteau. Mais bon, je vais faire une petite story vite fait parce que je sais pas, il y a des gens ils sont très curieux encore une fois, même si je dis de pas me poser des questions, mais bon, les gens ils arrêtent pas. J'ai pas à me justifier, mais bon, ça me saoule à un moment donné. Du coup, je suis enceinte maintenant. Donc, je partage ma grossesse avec vous. Oui, je montre ce que les gens m'envoient, ce que j'achète, ce que le père de mon fils lui achète. Mais mon fils, il est dans mon ventre. Vous le voyez pas. Et vous allez pas le voir. Si ça dépend de moi, vous allez pas le voir. Tout simplement parce que moi, je pense qu'un enfant n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Les enfants, ils sont innocents. Ils n'ont rien à faire ici. Et surtout, moi, ma vie, elle a été assez exposée. Du coup, je veux pas afficher ma famille. Je veux pas afficher mes enfants. Là, je parle de ma grossesse. Mais l'enfant, il est dans mon ventre. Vous ne le voyez pas. Et quand je vais accoucher, ça sera pareil. Vous allez voir aucun de mes enfants sur les réseaux sociaux. J'ai déjà parlé de ça avec le père. Bon, lui, il comprend pas, sa tête têtue, il dit oui que son fils, ça c'est un... C'est une vidéo de ODT. Mais moi, personnellement, je veux pas. Je veux pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que je suis chante, que je suis ci, que je suis ça. Mais aucun de mes enfants, je veux qu'il soit sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout simplement, c'est mon choix, c'est mon éducation. C'est moi qui décide. Donc voilà. Ah, parce que je parle que de mon fils. Ah, parce que si, parce que je montre que ça. Mais en fait, il faut que vous compreniez que les gens, ils ont rien à vous prouver sur les réseaux sociaux, en fait. Vous pouvez dire que je suis chante, je m'en fous. Mais si vous voulez afficher vos enfants, faites-le. Mais moi personnellement, pour moi, c'est non. Les gens, ils sont grave méchants sur les réseaux sociaux. Ils vous souhaitent du mal. Ils souhaitent du mal à votre famille. Ils vous menacent et tout. Donc, même quand j'affiche les enfants de mes copines, je demande, genre, les enfants que vous voyez que je mets dans ma story, je les mets pas comme ça. Je demande à leurs parents. Et j'aurais aimé un jour que si mes copines... C'est une vidéo de ODT. Bah, qui me demande aussi, vous voyez. Parce que être adulte, c'est une chose, mais être un enfant, c'est une autre. Les enfants, ils sont... Moi, par exemple, je veux pas que mes enfants, ils payent pour mes erreurs. Et surtout, comme j'ai dit l'autre fois, là, quand il y a eu le buzz avec moi et le père de mon fils, eh ben, dites-vous que j'étais en train d'harceler les gens de ma famille. Alors, imaginez juste, j'affichais les gens de ma famille, j'affichais mes enfants, Mais non, non, en fait, je veux pas. Moi, personnellement, je veux pas. C'est mon choix. Moi, je veux pas que mes enfants soient sur les réseaux sociaux. Et les gens, ils ont rien à vous prouver, qu'ils sont avec leurs enfants, qu'ils sont pas. Parce que si, parce que ça. Vas-y, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que vous attendez des gens sur les réseaux sociaux. Genre, je sais pas, les gens qui veulent trop prouver si, prouver ça. Moi, je suis pas dans ça. J'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à prouver à personne, en fait. Donc, je préserve ma famille et mes enfants, c'est tout. Moi, je veux pas qu'ils soient là. Voilà. Je veux pas qu'on les montre. Je veux pas. Si je peux, tant que je pourrais les protéger, je vais les protéger, en fait. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, ne me posez plus de questions sur ça. J'ai déjà parlé. Peut-être que quand mon fils va naître, vous allez voir une photo de lui de dos, je sais pas. Mais genre, je vais pas lui montrer quand il va faire ses dents ou quand il va commencer à marcher, des trucs comme ça.